Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur City Skyline. Lors du dernier épisode, nous avons discuté de ce que nous allions faire de cette zone-ci. Et j'ai décidé de faire un zoo comme à cet endroit-là. Donc on va commencer c'est par déplacer les rails pour qu'ils suivent un petit peu plus la côte, pour rejoindre par ici, pour avoir un petit peu plus d'espace pour le zoo. Alors, on va commencer par ça du coup. Voilà pour celui-ci. Hop, celle-là du coup elle peut sans doute retomber par là. Et celle-ci il faut qu'elle puisse faire la boucle. Voilà, comme ça on va gagner un petit peu d'espace là et on va avoir donc un plus grand zoo de disponible. Alors on va commencer du coup par lui amener une route à ce zoo. Avec une entrée qui va être là. Ah, faut d'abord que je crée un parc, c'est vrai. Alors, je sais pas si on ira jusque là, mais dans le doute, je préfère peindre un peu plus large la zone. Voilà. Allez, on a placé la porte principale et on va récupérer du coup différentes choses, des boutiques de souvenirs, café, toilettes et des enclos, la maison des oiseaux, les enclos des antilopes et une place. Ça va amener de l'électricité dans mon zoo. Alors souvent proche de l'entrée, ce qu'on va trouver, ça va être tout ce qui va être commodité,
tard, on va trouver là, on va mettre la volière. On va mettre un petit peu trop loin la volière. Alors, c'est pas là où je voulais la mettre, elle. Ah zut, je peux pas la centrer. On va avoir d'un côté les antilopes. Et les élans et rennes. Alors du coup on va changer avec les antilopes par là parce qu'elle est plus petite. On va mettre un peu lui par contre. Ah d'accord, ok, c'est parce que c'est un chemin. Ok. Ah zut. Ah, là ça va être mieux. Voilà. Alors, il va falloir que j'emmène de l'eau pour tout ça. Alors si ça manque d'électricité, je vais remettre une toilette au milieu. Voilà. Ok, donc ça c'est le début de notre zoo, qui va s'agrandir principalement par là, au fur et à mesure qui vont se débloquer des différentes choses. L'information du parc, il va falloir qu'il y ait 500 visiteurs qui viennent pour pouvoir
On va prendre la célébration. On va dire que c'est notre parc principal. On va faire de la campagne. On va prendre l'éthique animale. Voilà, on va prendre toutes ces politiques-là. Ça va nous coûter de l'argent. Mais ça devrait attirer du monde. Donc c'est pour ça que du coup, avec la gare ici, ça devrait attirer un petit peu de monde. Pour l'entretien des parcs, du coup, je vais rajouter un bâtiment d'entretien des parcs de ce côté-ci. Et voilà, j'espère du coup que maintenant ça va attirer du monde ce zoo. Je crois que j'ai un métro qui passe juste en dessous. Alors, ce que je vais faire, c'est juste rajouter hop, une station. Juste à côté, comme ça je vais prolonger légèrement la ligne. Hop, voilà. Comme ça devrait amener du monde jusqu'à notre zoo. Ah, y a du monde qui vient, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, puis on rajoutera des limites en fonction de la taille que prendra le zoo. Les gens qui veulent pique-niquer, on va leur mettre une petite aire par ici. Hop, et ici on a les élans et les rennes. Ok, bon ça maintenant il va juste falloir attendre que le parc grossisse un peu. 166, ça va monter assez vite pour avoir le niveau suivant et pouvoir continuer de l'étendre. Alors, à part ça, où est-ce qu'on en est au niveau
zone. Ah, j'ai oublié une partie là. C'est en train de se zoner ici. J'ai l'impression que la prochaine fois il faudra reprévoir une nouvelle zone. On fera sans doute celle-là. On va peut-être pouvoir commencer. Faisons les routes déjà. Voilà. C'est pas très aligné tout ça, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà pour l'eau, on va mettre des magasins parce que je vois que j'en ai besoin en plus. Ça va permettre d'activer mon hôpital ici. J'ai pas fait gaffe que mon autoroute ici elle n'avait pas de mur, on va rectifier ça. Thank you.
Voilà déjà. Ah, j'ai des logements qui apparaissent déjà ici. Très bien. Ah, du coup, niveau hôpital, c'est bon. Niveau décès, c'est bon. Les pompiers, c'est plus une par là éventuellement qu'on va essayer de se mettre. La police ici, ok. On va se mettre aussi l'université ici et la place. Voilà. Voilà, on va finir de zoner par là. Ok, on a atteint le niveau 2 pour le zoo. On a la maison des insectes, amphibiens, reptiles et l'enclos des bisons. On va aller vérifier ça tout de suite. Il va manquer des parcs par contre, j'ai pas mis de parc. Hop, voilà. Alors, le zoo. Les insectes, ok. Et l'enclos des bisons. Ah, c'est assez grand l'enclos des bisons, on va le mettre par là. Ah, attends, à quoi ça ressemble? Et... ok, c'est avec du chemin autour. Clac. Ça suffit pas. Non, ça marche pas. Même avec l'euro d'anarchie.
Il nous reste la maison des insectes. Elle pourrait rentrer ici éventuellement. Alors, il y a du monde quand même qui vient dans ce parc-là, il va falloir 2500. Ça va aller assez vite, vous voyez, il y a quand même, c'est bien fait de mettre la station de métro ici. Ça attire quand même pas mal de monde. Hop, voilà pour ça. Bien, puis bah écoutez, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur City Skyline vous aura plu. On se retrouvera la prochaine fois pour la suite de l'aventure. Ah, par contre, je vois que ça zone à des endroits. Voilà, pour éviter que tout ne se détruise. Le temps que les autres bâtiments arrivent, je préfère remettre une ligne électrique. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite de l'aventure sur City Skyline. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.